Bah, dis donc, la coupe, dis donc, ouh, ça craint. Alors, on ne s'est pas encore pris aujourd'hui, hein. Ce matin, j'avais un rendez-vous très, très, très important. Ça s'est bien passé. Et là, cet après-midi, j'ai révisé, j'ai écrit 3 fois mon protocole, j'ai vraiment bien révisé. Je vous montrerai ça tout à l'heure. J'ai aussi reçu des petites choses de chez Aromazone. Et bah ouais, je révise, je révise, je révise, je révise. Alors, ça c'est mon examen blanc. Donc, vous voyez à peu près les notes. Donc, hygiène, le premier, 5 sur 5, très bien. Position, corps praticien, attention à ton dos. Donc voilà, vous avez les notes là de mon examen blanc. Si maintenant ça serait le vrai, je l'aurais eu. Voilà, mais c'était que le blanc. Alors, on va pas s'enflammer. Bref, donc là, j'avais copié un protocole, là c'est les huiles essentielles et leurs bienfaits. Là j'ai fait un schéma avec la première partie réflexologie. Moi je m'en sors, hein, je sais ce que c'est, je sais dans l'ordre. Ensuite là j'ai fait une deuxième partie. Ensuite là j'ai écrit tout le protocole zone réflexe. Voilà. Là j'ai refait le protocole zone réflexe simplifié. Voilà pour mieux retenir. Ensuite là j'ai fait le massage global. Et ensuite, là, j'ai écrit tout ce qui est accueil client pendant, après le massage, en fait, s'il est bien installé, etc. Et là, c'est un protocole, en fait, massage, donc simplifié, et réflexologie. Et c'est tout! Voilà, donc j'ai fait tout ça déjà là ce matin, et puis j'ai révisé mon carnet de cours. Voilà. Il y a tout ça à connaître, vraiment tout ça. On passe un petit haul Aromazone. J'ai pris une fragrance Baby Doll qui a l'odeur d'un produit bébé. J'ai pris, alors là, le Sweet Candy, il sent trop bon. On dirait la foire, la barbe à papa. C'est trop bon pour faire des bougies en fait et mettre dans des diffuseurs. Ensuite, j'ai pris la senteur Douceur d'Ange. Celle-là, elle sent trop bon le bébé. J'ai pris le basilic sacré pour quand je fais mes massages ayurvédiques. Voilà. Donc ça, c'est pour appliquer une goutte d'huile essentielle avec mon huile de sésame dans le visage pour faire des massages. Et ça, c'est aussi un diffuseur éveil ayurvédique. C'est pour mettre dans un diffuseur et ça sent bon. Et j'ai aussi pris un diffuseur pour mettre des petits bâtonnets de bois. Cannelle miellée. Ah oui, et j'allais oublier. J'ai pris aussi une fragrance Be Happy, donc c'est bah, du miel. Ça sent super bon, voilà. Donc j'aime trop ces petits produits. Désolée, il y a des miettes. Les enfants viennent de prendre le goûter de 4 heures. Voilà, donc là il est 18h15 et c'est l'heure d'aller chez le coiffeur. Donc le jeudi ils font nocturne jusqu'à 21h. Et du coup, bah là j'y vais tard et c'est juste trop bien pour finir la journée. Un petit tour chez le coiffeur, voilà. Donc je sais jamais quoi faire, j'en ai marre d'avoir tout le temps la même chose. Donc je ferai juste les racines blondes, mais j'en ai un petit peu marre d'avoir tout le temps la même chose. Donc je sais pas quoi faire. Voilà le avant avec beaucoup de racines. Et puis le après, j'aurai sans doute les cheveux lâchés, hein, n'est-ce pas? Avec une plus jolie frange que ça. Mais là, voilà quoi. Là, ça fait un peu champignon, vous voyez la coupe de fin de journée, champignon. Je sais pas quoi faire, j'en ai marre, je sais pas quoi faire. J'en ai marre de faire tout le temps la même chose. Voilà, donc je me suis mise d'accord avec ma coiffeuse et ça va être super joli. Voilà le résultat, je suis hyper contente, j'ai mis un petit peu de violine dedans, je suis trop contente, voilà ça change, je suis trop bien, là je suis juste pas maquillée en fait, mais avec le maquillage franchement ça fera top quand les sourcils seront faits et tout avec mon teint, ça fera super joli avec un super rouge à lèvres bordeaux et tout, je kiffe, franchement je kiffe, pour rien au monde je changerais de coiffeuse en fait, ça fait depuis l'âge de 14 ans, 14-15 ans que je vais chez elle. Et je ne changerai pas, franchement, parce que je suis trop contente. Ouais, c'est toute ma vie, cette coiffeuse, en fait. Je le répète à chaque fois que j'y vais, à chaque vlog, en fait, où je vais chez le coiffeur, je le répète, mais
c'est ma coiffeuse quoi. Donc franchement, si vous voulez savoir chez qui je vais, ben demandez-moi, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Si vous venez d'Alsace, ben je vous répondrai quoi, parce que franchement c'est top, moi je suis trop contente là. Rien que là, même sans maquillage, c'est con hein, mais je me trouve jolie en fait, sans maquillage, juste comme ça. Elle m'a refait les racines blondes, elle m'a mis un petit peu de violine par en dessous là. C'est juste trop top, mes cheveux ont super bien poussé. Top, franchement top top top, je suis trop contente, c'est trop beau. Voilà, donc je suis arrivée à la maison et tout le monde trouve ça joli, même mon chéri qui m'a dit tu fais pas de violet. Je suis rentrée avec du violet, bah il trouve ça joli parce que c'est light en fait, c'est... Non franchement c'est top, c'est super joli, je suis trop contente. Chaque fois je suis jamais déçue et tout et là c'est trop top, franchement trop top. Voilà, mes racines sont de nouveau bien pour 3 mois. Et voilà. Coucou, donc là, cet après-midi, j'ai pas encore filmé aujourd'hui, mais là, cet après-midi, à 16h, on va faire les courses, en fait, pour les derniers trucs du baptême. Donc on va acheter des produits frais parce qu'on va faire des verrines d'entrée avec des crevettes, de la mangue. Bref, ça sera super joli. Je pense que je vais filmer en fait peut-être si j'ai le temps là, et si j'y pense surtout la préparation. Donc là cet après-midi ça sera je crois Lidl et grand frère Célestin. Voilà. Donc en attendant, aujourd'hui je me suis autorisée à déconnecté, donc j'ai fait la sieste avec mon bébé et là maintenant il est là, il est trop chou là dans son transat avec le pouce en bouche et là du coup ben on est un petit peu dehors avec la casquette, il a lui et puis on est bien quoi, moi je suis sur mon transat, sur ma et le soir petit moment orageux, je souffle un petit peu, c'est trop bien là de se reposer enfin. Voilà donc la préparation baptême. Alors moi je m'occupe des petites bonbonnières. Alors j'ai mis des choses comme ça de chez Action. Alors des enrobés noisettes, des enrobés chocolat crunchy, chocolat noir, blanc et au lait. J'ai mis des M&M's aussi et j'ai mis des Smarties. Voilà des petites bonbonnières. Donc ça c'est par couple. Et elle est où la troisième là? Il faut que je mette les Smarties encore dedans. Et autour... Je vais mettre le ruban où il y a écrit bébé d'amour en or. Il est vraiment beau. Et dans ces petites-là, par couple, en fait, je vais mettre des bonbons. Voilà. Donc là, on est en train de préparer les 30 mini quiches Lorraine. Voilà, donc mes petits trucs-là sont prêts. Ensuite, les petits bonbons, on appelle ça des petits bonbons Jésus bébé, là. Qu'on met ça sur les tables des baptêmes, dans les petits saladiers. Et ensuite, on a les petits dragées, du coup. Donc, ça pour les hommes, les bleus. Et on est resté dans le clair, comme ça, pour les femmes. Et ensuite, ça, c'est pour parrain-marraine. Il faut encore que je mette des photos dessus. Voilà. Ensuite, on aura ça pour décorer la table aussi. On a gonflé les ballons. Et il reste plein de bonbons. Et pour les enfants, on va aussi mettre quelques petits paquets comme ça de petits bonbons sur la table. Voilà. Donc, ouais, c'est bon, ça va être chouette. Avec le petit ruban qu'on a mis là. J'avais acheté celui-là chez Jour de Fête, bébé d'amour. Et on l'a fait tenir avec une petite épingle. Voilà. Ça va être joli. Alors là, voici notre plateau de pain surprise. Donc avec des morissettes, on les a fourrés au tartare, salami, jambon, ma belle-sœur nous a préparé des jolies verrines à base d'avocat, de fromage frais, de mangue, de crevettes. Voilà, je crois que c'est tout. Je connais pas bien la recette, mais voilà les entrées. Coucou, donc hier j'ai pas filmé la suite, donc du coup on a encore, ma belle-sœur a préparé toutes les verrines et on est allé mettre les tables et tout en bas. Ici le jour J, donc j'ai mis cette robe poudrée et voilà. Regardez cette jolie table.
Coucou, donc là on est lundi matin et la course commence. Donc lundi dernier c'était mon tour pour la formation à courir et mon chéri m'emmenait. Là aujourd'hui on est lundi, il est 7h et du coup Clara garde le petit comme elle commence qu'à 10h. Et moi j'emmène mon chéri au boulot puisqu'il reçoit une voiture de fonction. Donc en fait il faut que quelqu'un l'emmène pour que ce soir il puisse rentrer avec sa voiture de service en fait. Donc voilà, je l'emmène ce matin. Et comme ça, ce soir, il rentre avec la voiture du boulot. Voilà, donc c'est la course les lundis, mais c'est pas grave, c'est chouette. Je suis debout de nouveau depuis 4 heures, comme d'habitude en ce moment. Et voilà, hier, c'était trop bien. Et on a rangé déjà hier le maximum. Et on va chez belle-maman ce soir faire la suite et manger les restes, hein, du coup, parce qu'on avait énormément de restes. Voilà, donc c'était une super journée avec ma petite famille. Ouais, franchement, c'était trop chouette. On a vraiment passé une super belle journée hier en famille, quoi. C'était vraiment trop génial, trop chouette, plein d'émotions. C'était vraiment une belle journée et on remet ça tous ensemble. Pas la semaine prochaine pour mon anniversaire vu que il y a certaines personnes qui n'étaient pas disponibles, mais on Bientôt, a bisous. reporté le week-end d'après. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. On se revoit.